également, vous pouvez me laisser un message après le signal sonore. Pour les messages à caractère professionnel, merci de privilégier les SMS. À bientôt. Bonjour, vous êtes bien sur le mobile de Christophe. Merci de laisser en priorité un SMS. Désolé, mais la messagerie vocale Orange ne peut plus recevoir de messages. Veuillez rappeler ultérieurement. Au revoir. Le SMS, c'est un peu le sésame pour entrer dans un monde fermé qui cultive le secret, la communication politique. Jamais la politique n'a occupé un tel volume d'antenne. Et dans la jungle médiatique, les conseillers en communication sont assaillis de demandes. Les avoir au téléphone est un défi, car leur vie est consacrée à un objectif, exposer le mieux possible leur candidat. Les hommes politiques s'expriment partout, tout le temps. Pourtant, la défiance à leur égard atteint des sommets inédits. La communication peut-elle redonner confiance aux électeurs? Est-il encore possible de la réinventer? Non, pour les prochaines années. Communicants, journalistes, politiques, nous avons écouté des acteurs incontournables de la communication politique. En coulisses, c'est une véritable crise qui s'annonce. D'ailleurs, pourquoi certains conseillers ont-ils choisi de jeter l'éponge? Bien évidemment, nous allons nous mensonger. Jean Le Canuet est l'opposant centriste du général de Gaulle lors de l'élection présidentielle de 1965. Ce face-à-face tant attendu entre le peuple et son futur représentant a lieu dans une arène flambant neuve, la télévision. Avec elle, les hommes politiques découvrent les vertus d'une nouvelle discipline, la communication politique et ses communicants. Parmi eux, Jacques Séguéla, l'homme aux 20 campagnes présidentielles. La publicité politique a démarré avec Le Canuet, l'affiche célèbre qu'on a tout de suite critiquée. Dans Blanche Haleine Fraîche, le spin doctor de l'époque, qui est l'auteur de ça, elle en a beaucoup souffert. Et puis, il y a eu les campagnes mitterrandiennes, qui ont été les premières campagnes professionnelles. C'est la première fois qu'un politique s'est confié à un publicitaire pour faire campagne. De la réélection du général de Gaulle à l'arrivée de Georges Pompidou, la République glisse définitivement du verbe vers l'image. Et les choses s'accélèrent dans les années 80, où les communicants deviennent de véritables gourous. Mais la France a un problème. Les programmes publicitaires politiques sont interdits, considérés comme de la propagande. Les partis n'ont alors qu'une solution pour défendre leurs couleurs, s'exprimer dans les médias. Nous sommes la seule démocratie du monde où la publicité est interdite. C'est pas tellement la perte de cet outil-là. Qui a faussé les choses, c'est que ce sont les médias qui sont devenus les décideurs et les faiseurs de rois. À l'époque, on contrebalançait. Mitterrand, par exemple, était haï des médias et haï de la gentry. C'est la publicité qui l'a fait exister. Mais avec cet outil qu'il a su utiliser à merveille, qu'il a aidé, et ça a été encore plus vrai dans sa réélection de 88. Et puis, à partir de cet instant-là, les médias ayant pris le pouvoir absolu, tous les politiques, tous les candidats se sont mis à courir après les médias. En se multipliant ces 20 dernières années, les médias ont offert au monde politique des espaces d'expression toujours plus étendus. Si certains acteurs politiques font une utilisation raisonnable de ces tribunes médiatiques, dans l'ensemble, l'ego semble avoir pris le pouvoir. Je pense que l'adage « politique cherche audimat désespérément » est toujours d'actualité. Et qu'ils ont cette obsession, mais à laquelle on participe, nous, journalistes, si on est tout à fait honnête, effectivement, d'exister. Et pour exister, eh ben, ils vont calculer le nombre de clics, ils vont calculer le nombre de followers et ils vont calculer le nombre de téléspectateurs. Donc ça, c'est toujours la même chose. Je ne compte plus, moi, à l'agence,
le nombre d'hommes et de femmes politiques de ce pays qui sonnent à la porte pour demander à être dans les médias, sans même savoir ce qu'ils ont à y dire, sans même savoir comment ils vont être perçus. Dans ce flux incessant, à quelle matière s'accrochent les communicants ? À l'homme ou à son projet ? Pour être élu, pour durer, pour exister dans le monde politique, il est absolument indispensable de passer par le truchement des médias si on veut avoir une vie politique nationale remplie et pourquoi pas prospère. Et donc petit à petit, par le truchement des communicants politiques qui permettent d'avoir recours aux médias, qui calibrent les messages pour qu'ils soient compris, qui ont recours à des sondages d'opinion pour savoir ce que l'opinion publique finalement attend, on se retrouve dans un univers où les idées sont petit à petit mises de côté et où la communication nous amène à une forme de démocratie médiatique. Et en cela, c'est plutôt une nouvelle pessimiste. Nicolas Boudot est un ancien conseiller en communication de l'époque UMP. Aujourd'hui, il décrypte la communication politique pour la chaîne LCI. Parce qu'il connaît bien les deux côtés du miroir, son pessimisme n'est pas rassurant. Au parc de Montretout, à Saint-Cloud, la villa du clan Le Pen. Après une brouille de 20 ans, Laurin de Saint-Afrique, l'ex-communicant de l'ombre, a repris du service. Le Pen, le peuple, en 1988, c'était lui. De l'époque des années 80, lorsque j'ai découvert cet aspect des choses avec Jean-Marie Le Pen, il y avait trois chaînes de télévision, une quatrième un peu plus tard, il y avait quelques titres de journaux et de presse écrite à surveiller, et quatre radios, avec des scores 10 millions, 12 millions de téléspectateurs sur un journal de TF1 du début des années 80, ça arrivait. Et aujourd'hui, quand vous ouvrez votre journal de TV, vous avez, rien qu'à la télévision, 30, 40, 50 chaînes possibles. Donc il n'y a plus cette espèce d'entonnoir qui faisait que tout le monde avalait la même chose à un moment donné. Maintenant, il faut aller capter et les concurrences ont brouillé considérablement le message. Et pourtant, le nombre des postes de télévision a considérablement augmenté. Mais il y a aussi l'attention qui est portée parce que bien souvent, on allume son poste de télévision à l'heure du journal sans le regarder particulièrement, en fait. La multiplication des médias et l'arrivée des chaînes d'info en continu imposent inévitablement une nouvelle donne. La circulation de l'information n'a jamais été aussi rapide. Et la politique subit de plein fouet cette révolution temporelle. Maintenant, c'est clairement BFM. C'est BFM qui est le modèle. C'est-à-dire que BFM, modèle entre guillemets, ça veut dire que c'est les informations de BFM, le rythme de BFM, la façon d'aborder les sujets de BFM qui influence le reste des médias audiovisuels et ensuite la presse écrite. En 1995, Nicolas Sarkozy préfère Édouard Balladur, mauvaise pêche. Une information publique au début de la Ve République qui était presque préfectorale, quelquefois à la limite du militaire. Aujourd'hui, on est dans les réseaux sociaux, donc avec l'instantanéité, les fantasmes, le conspirationnisme, les polémiques perpétuelles, l'absence de recul. On est dans l'information permanente qui est celle qui maintenant donne le ton. De confession des politiques, BFM TV dirige la France. La chaîne est allumée en boucle dans tous les cabinets ministériels. Mais dans son bureau, les yeux rivés sur ses concurrents bien alignés, le directeur de la rédaction préfère relativiser son pouvoir. Forcément, comme nous avons pris de la place dans la vie politique et dans la vie des téléspectateurs, nous sommes partie prenante de ce qui se passe, évidemment. Mais nous n'en sommes pas les responsables. Je crois que l'idée de répétition, quand on parle des chaînes d'information, elle est inexacte. Le temps moyen passé par un téléspectateur de BFM TV dans une journée devant BFM TV, c'est 27 minutes. Donc la répétition n'existe
que d'une manière théorique. Si on se dit, tiens, je vais passer ma journée devant BFM TV, oui, on va trouver, effectivement, moi le premier, que l'information se répète. Donc, à part dans les cabinets politiques et les rédactions, on ne se répète pas. Et puis d'ailleurs, les gens, quand ils estiment qu'ils ont vu une boucle d'informations, quand ils voient revenir la même chose que ce qu'ils ont vu, en général, ils arrêtent la télévision et ils vont faire autre chose. Ils sont relativement raisonnables, eux. Les chaînes d'infos et les réseaux sociaux ont un atout indiscutable. Ils vont plus vite. L'information passe de la source au receveur dans la seconde. Et le pape de BFM TV ne s'en cache pas. L'info est devenue un objet de mode. Il vaut mieux savoir les choses au moment où elles se passent que le lendemain. Quand les choses... Ben pour moi, oui. Ça va un peu dans le sens de l'ère du temps où l'on veut tout, tout de suite. On veut tout de suite une explication, on veut tout de suite savoir, on est pressé de savoir, et la technique vous y porte parce que vous avez votre iPhone dans la poche, vous avez des alertes, les alertes des radios ou des télés sur lesquelles vous vous êtes connecté, et quelqu'un qui aujourd'hui n'est pas au courant de ce qui s'est passé ce matin, il apparaîtrait véritablement comme totalement démodé, quoi, comme hors du coup. Il faut bien penser que la technique est parfois tyrannique et que les journalistes devraient essayer de faire en sorte que la technique ne les tyrannise pas trop. Le progressisme aveugle, ben, comme disait Baudelaire, c'est l'idéologie des imbéciles, quoi. Je veux dire, elle ne sert à quelque chose que si vous savez à quoi vous voulez l'utiliser. L'autre problème, c'est que le temps de l'action politique ne va pas aussi vite que le temps médiatique. La maîtrise du temps en politique, elle était simple quand il n'y avait pas Twitter. Et donc moi, je serais assez intéressé de voir De Gaulle ou Mitterrand à l'ère des réseaux sociaux. Hein, tout le monde dit, non mais il faut faire comme François Mitterrand qui savait donner du temps au temps. Mais mec, François Mitterrand en 2016, il donne pas du temps au temps. Il est comme tout le monde, il est écrasé. Donc je crois que là, on est face à un enjeu qui est majeur, c'est de savoir comment gérer le quotidien et le long terme. Les lundis de la primaire, épisode 1, avec ce matin Nicolas Sarkozy. Tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon, bonjour d'abord. Ah ben bonjour, nous allons dans un instant. En attendant, l'emballement de la machine à informer dépasse les communicants eux-mêmes. De l'aveu de tous, leurs journées se sont transformées en course contre les soubresauts de l'actualité. Il peut être renouvelé combien de fois, le CDD ? Maintenant, il y a 6 ou 7 personnes qui passent en même temps le matin du monde politique à écouter. Avec l'arrivée de nouvelles chaînes de télévision, les radios, le bouleversement des grilles où tout le monde s'est plus ou moins mis sur les mêmes créneaux, ça suppose toute une organisation pour arriver à tout capter. Tout se brouille, qui a dit quoi, ça devient du sport, cette affaire-là. Michaël Bulara s'est occupé de la campagne européenne de Michel Alliot-Marie en 2014. Depuis, il la conseille parmi d'autres clients politiques et privés. Et on est en fait en permanence dans cette surenchère. C'est, il y a un sondage, donc on vous invite sur un plateau pour en parler. Il se passe un événement, il faut que vous réagissiez tout de suite. Même par téléphone parfois, vous vous rendez compte, on n'a pas la capacité de vous faire venir. Non mais c'est pas grave, on vous le fait par téléphone, on projettera votre image, on le fait par téléphone. La course à l'information ne s'arrête jamais. En septembre 2016, Arnaud Champremier Trigano a renoncé à diriger la campagne de Cécile Duflot. Par épuisement et frustration. Moi, le matin, je faisais toutes les interviews politiques des radios, plus des chaînes info, c'est-à-dire 5 interviews politiques, plus les revues de presse sur 2 radios, je faisais, les éditos politiques qui donnent le ton, donc là, radio, pareil, télé, donc j'en faisais 5-6. On ingurgite toutes les informations possible, et on essaye de trouver dans ces informations, par rapport à ce qu'on a à raconter, l'événement dans l'actu qui va permettre de raconter ce qu'on a envie de dire. Et en fait, je ne vais pas créer l'actu, c'est très difficile de créer l'actu, mais je vais m'inviter dans l'actualité avec mon propre propos qui va, non pas s'adapter, mais qui va être choisi en fonction de ce qui est raconté ce jour-là. Un CDD peut être requalifié en CDI. Tout l'art du communicant est de faire exister son client dans ce flot de paroles. Par conséquent, la communication politique a dû renoncer à l'idée de fond au profit de la formule choc. Mais comment en est-on arrivé là ? A toujours été du côté des opprimés. Comme tout est au même niveau, finalement, bah, la petite phrase va avoir plus d'importance
que la grande proposition politique. Et au bout d'un moment, quand on organise un meeting de 1h30, 2h, où on a un homme ou une femme politique qui fait un grand récit sur sa vision du pays, eh ben, il est condamné à placer une ou deux phrases un peu bien ciselées et provocantes, parce que de toute façon, comme on ne retiendra qu'une ou deux phrases de son discours, bah, autant qu'il les choisisse pour essayer de faire passer un message. Il est le moment, M. Hollande, dans une démocratie, père ou mère de famille rentrant du travail le soir, apprenant que leur fils s'est fait arracher son pain au chocolat à la sortie du collège. C'est comme le pays sérieux, la laïcité, ça marche pour nous. C'est pas que pour nous. Donc... Pour les communicants, ces petites phrases qui tournent pendant 24 heures sur toutes les ondes sont devenues vitales. Mais elles créent un bruit ambiant dont il faut encore émerger. Jean-Marie Le Pen n'a pas attendu notre époque pour provoquer. Mais il n'a jamais voulu admettre que ses excès relèvent surtout de la stratégie de communication. Je suis un homme libre, je dis ce que je pense, c'est pas toujours le bon moment, ni peut-être la bonne manière, mais voilà, c'est comme ça. On dirait brut de décoffrage. Mais il n'y a pas eu de calcul de dire « Ah, nous manquons actuellement d'audience, il faudrait faire quelque chose, faire un coup ». On n'a jamais fait des choses comme ça. Non, parce qu'on a fait des coups tout le temps, finalement. Comment ? On a un peu fait des coups tout le temps, mais des coups... Oui, bien sûr. Trouver le meilleur angle au meilleur moment. Ah oui, bon. Ça fait partie c'est le job, du ça, job c'est, aussi, quand même. C'est comme ça. Et puis, avec Jean-Marie Le Pen, il y a la spontanéité. C'est-à-dire, il n'y a pas de véritable limite. Un jour, Jean-Marie Le Pen m'avait dit « Qu'est-ce que c'est que le bon goût ? Qu'est-ce qui fixe la règle ?» Bon. Et c'est comme la ligne jaune, je veux dire, qui est chargé de la tracer, comment on sait quelle est la véritable règle, quand est-ce qu'on la dépasse, où est le code de la route de cette ligne jaune-là. Bon, voilà. Et l'interpellation violente, directe, ça fait partie de la vie démocratique. Le forum, c'est pas un échange de caresses, c'est un échange souvent d'invectives même. C'est à l'époque de l'hégémonie de la gauche que le politiquement incorrect s'est particulièrement développé à l'extrême droite. Elle s'en est régalée pour exister hors des médias traditionnels. Aujourd'hui, cette com-spectacle résonne aussi de l'autre côté de l'échiquier, incarné par un ancien ministre de Lionel Jospin, Jean-Luc Mélenchon. Au QG de campagne, on nous a généreusement livré la recette. La stratégie de la conflictualité, oui, c'est une théorie pensée et c'est une façon d'agir dans le paysage médiatique et politique, évidemment. Elle a été utilisée par Jean-Luc Mélenchon pour, dans un premier temps, rompre le mur, d'accord, et pouvoir exister. Le rapport aux médias n'est pas conflictuel réellement. C'est une mise en scène du conflit qui est à la fois, au départ, on va dire, une volonté stratégique de communication de la part de Jean-Luc Mélenchon et aussi de la part des médias parce qu'il se passe quelque chose. Voilà, ce n'est pas l'ectoplasme plat, on ne s'ennuie pas, il se passe quelque chose. Quand il y a du conflit, quand il y a de l'affrontement, il se passe quelque chose. Une campagne électorale, c'est... On veut qu'il se passe des choses. Cette théorie de la conflictualité a-t-elle vraiment été pensée? Ou sert-elle surtout à légitimer les coups de sang d'un candidat un peu soupolet? On ne saura jamais. Au final, cette communication polémique a trouvé sa place dans le tumulte général. L'obsession des politiques qui veulent passer à la télévision et à la radio, c'est la transgression. Évidemment, ça donne un aspect extrêmement superficiel au débat et ça, je veux dire, le burkini ou les Gaulois, ça devient le centre de l'information d'une journée, d'une semaine ou d'un mois, alors qu'il y a 20 ans, ça aurait fait une colonne et il y a 40 ans, ça aurait fait une brève. Mais aujourd'hui, ça impose de nouveaux centres de discussion. De discussions qui sont superficielles, mais de discussions qui sont à peu près inévitables. Aujourd'hui en France, jour J pour l'avenir du burkini. Le Figaro, l'interdiction du burkini sème la zizanie à gauche et Libération chasse au burkini. Religion, identité, sécurité, ces mots ont trusté l'espace public
comme s'il garantissait la célébrité. Mais si le communicant aspire au buzz, qui est son carburant ? Je pense que nous, on a une forme de responsabilité là-dedans. Quand je dis nous, c'est nous journalistes au sens large, hein, pas seulement les chaînes info. C'est qu'on est en permanence en train d'aller chercher ce qui ne va pas, comme une espèce de, une force de bulldozer face aux hommes politiques. Moi, ça, c'est une des choses sur laquelle j'ai pris un peu de recul. Je pense que, par exemple, le fait d'être agressif, d'aller tout le temps les chercher, de vouloir être dans une espèce de confrontation ultra-violente, c'est une erreur. Je pense qu'on peut obtenir exactement les mêmes choses tout en étant aimable et en ayant un dialogue qui est plus un dialogue, je dirais, en tout cas de respect. Les plateaux de télévision rechercheraient-ils la confrontation permanente au détriment de la véritable information ? Programmateur politique de l'émission de Laurent Ruquier, On n'est pas couché, Christophe Koulikowski s'en défend. Il n'y a pas de clash comme vous l'entendez. Parce qu'il faut voir en France comment ça se passe, comment on traite les politiques. Hein. On traite les politiques comme des rois. Donc aujourd'hui, la méthode anglo-saxonne arrive chez nous. Et depuis de nombreuses années, si le politique ne répond pas à la question, on va lui reposer la question. Sachez qu'en conférence de presse chez Obama aux États-Unis, qui est une des plus grandes démocraties du monde, il faut que vous le sachiez, il y a une question qui est posée au président de la République. Chaque journaliste peut poser une question. Si on pose une question à M. Obama qui ne répond pas, le deuxième confrère se lève, va lui poser la même question. Et ça va être comme ça à chaque fois. Donc le politique répond à chaque question. Moi, où je suis très fier de travailler dans cette émission, c'est qu'aujourd'hui, on bouscule la norme et on dit aux politiques, voilà, venez chez nous, on va vous poser des questions qui intéressent les Français. Et c'est pour ça qu'elle marche. Moi, c'est vrai qu'il m'arrive souvent de conseiller pour l'interview politique, peu importe la question, ce qui compte, c'est ta réponse. Donc, parfois, la question vaut la peine. Ça vaut la peine d'y répondre. Et parfois, la question, non. Non. Parfois, la question d'un journaliste ne mérite aucune réponse. Et donc, il vaut mieux répondre ce qu'on a envie de dire, le message qu'on a envie de faire passer. Et surtout, pas se laisser embarquer dans une interview où, finalement, on en ressort sans avoir dit ce qu'on avait à dire. Si on vient pour parler d'économie, si on vient pour parler de chômage et que l'intervieweur ne vous parle que de burkini, ben non, vous faites pas, vous n'acceptez pas une interview de 10 minutes où l'intervieweur ne vous a interrogé que sur le burkini, alors que vous, vous êtes un candidat qui veut parler d'économie, de social, de chômage, d'avenir et de création d'emplois. Bonjour à tous, voici un numéro de plus de la revue de la semaine. Depuis la dernière fois, la chaîne YouTube qui porte ces revues est devenue la première chaîne politique du pays. Une des façons d'imposer ces sujets sans s'embarrasser des contradicteurs, c'est aussi de monologuer sur une chaîne YouTube. Et ça donne le moyen d'une expression libre, en tout cas qui ne passe pas par le filtre calamiteux des médias officiels. Bon, merci pour... Au départ, communiquer, c'est expliquer, échanger, s'insérer sereinement dans le débat d'idées. Mais dans la concurrence généralisée, les hommes politiques semblent soit parler tout seuls, soit parler pour ne rien dire. On évite finalement le débat d'idées. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans toutes les campagnes électorales, c'est que finalement, au bout d'un certain temps, les hommes politiques sont presque condamnés à parler pour ne rien dire, et c'est-à-dire pour ne pas trop prendre des partis qui risqueraient de leur aliéner une partie de leur électorat, et pour ne pas s'aliéner une partie de leur électorat, eh bien, ils naviguent et ils ont finalement un discours qui est un discours d'eau tiède, ce qui n'est pas du tout ce qu'attendent les citoyens, qui attendent à ce qu'on dise qu'est-ce qu'on fait avec la jungle de Calais, qu'est-ce qu'on fait vraiment. Mais le problème, c'est que les solutions à moyen et à long terme font apparaître inévitablement des distinctions, des oppositions, donc des partis pris. Ces dernières années, et en particulier, j'ai envie de vous dire, au cours des derniers mois, avec cette montée des primaires, etc., le sentiment, c'est que finalement, on fait davantage de communication qu'on développe des idées. Pourquoi ? Bah, aujourd'hui, quand on a 8 candidats d'un côté, on va en avoir 7, 8, 9, 10 de l'autre, c'est davantage sur la personnalité. Comment on va définir, comment on va séparer les personnalités, c'est davantage sur de la forme. Donc on fait de la com. Pour l'un, le renouveau, pour l'autre, je ne fais qu'un seul mandat, pour le troisième, voilà. Donc finalement, on est sur des choses qui sont davantage de l'ordre personnel, j'ai envie de vous dire, que de l'ordre de régler les problèmes des Français.
et de proposer un certain nombre de choses. Je ne suis pas convaincu du tout qu'aujourd'hui, les Français en aient quelque chose à faire de l'âge du prétendant. Alors comment transmettre un message, placer ses idées hors de ces sentiers médiatiques archi-formatés ? Parler en direct aux Français, sans filtre, sans les médias, est-ce le court-circuit efficace ? Pour préparer la primaire de la droite, Bruno Le Maire s'est déplacé plus de 400 fois sur le terrain. Se pencher sur la forme traditionnelle de sa campagne permet d'observer ce qui reste de la confiance entre les électeurs et les politiques. Et voilà ce qui se joue à l'élection présidentielle de 2017. Vous venez de sortir d'un quinquennat qui est marqué du sceau du mensonge. Je vous propose d'ouvrir une décennie de renouveau qui sera marquée du sceau de l'honnêteté, de la vérité et du courage. Longtemps pressenti comme le nouvel homme, Bruno Le Maire est arrivé en cinquième position de la primaire des Républicains avec 2,4% des voix. Erreur des sondeurs, programme inaudible ou mauvaise communication au sein de son propre parti. À bientôt. Merci, au revoir. On a longtemps cru que la communication politique suffisait à engendrer la confiance, et pourtant, il semblerait qu'auprès des électeurs, la magie n'opère plus. La communication politique en France en 2016, elle se porte bien si vous considérez le nombre d'agences qui vivent de cette communication politique. En revanche, en 2016, la communication politique, du point de vue de l'opinion publique, des Français, elle se porte extrêmement mal. Parce que les hommes politiques n'ont jamais eu autant d'occasions de parler, de prendre la parole. Et pourtant, ils n'ont jamais été aussi peu écoutés et entendus des Français. Le côté « on n'est pas des pigeons », vous savez. Bon, et ben ça, c'est passé dans le public. Il y a un décryptage peut-être meilleur aujourd'hui des arnaques médiatiques et politiques, en quelque sorte. Et ça provoque l'abstention de masse, ça provoque le rejet, ça provoque le dégoût. Voilà. Et quand quelqu'un vous parle en boucle, vous finissez par fermer le bouton. Donc c'est la saturation qui est finalement a apporté la décrue de confiance. Il ne faut pas faire non plus de l'évolution des médias le principal facteur de changement. Je pense que la crise, c'est un plus grand facteur de changement. Mais il y a un facteur incontestablement média. Et ce facteur média... Mais disons que il a imposé l'instantanéité absolue au détriment du recul, de la vérification, de la réflexion. Il a imposé la passion au détriment de la raison, très clairement, dans les débats. Il a ultra-personnalisé toute question politique. Évidemment, tout ça aboutit à un univers qui est beaucoup plus émietté, qui est beaucoup plus querelleur, plus facile à regarder, mais moins explicatif et moins réfléchi. C'est de là que vient, à mon avis, la crise de la politique, de la représentation politique, de la communication politique aujourd'hui. C'est que, en définitive, les choses sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus fragmentées, beaucoup plus hybrides. Si bien qu'un homme ou une femme politique, un parti politique, une pensée politique ne peut être que beaucoup plus complexe, beaucoup plus hybride et beaucoup plus difficile à appréhender par le grand public. La France a délégué une partie de sa souveraineté à l'Europe et au secteur privé. Son fort régime présidentiel dénature le pouvoir des élus. Si l'on ajoute terrorisme, effet de serre, financiarisation, les freins à l'action publique sont nombreux. Et quand ça les arrange, les hommes politiques aiment bien se cacher derrière. Mais quand ils ont envie de paraître efficaces, ils comptent sur la communication pour masquer cette impuissance de fait. La communication est alors l'une des composantes du discours politique. Sous Hollande, il y a quelque chose qui a changé. Si on se posait la question de savoir qui était le principal communicant politique de François Mitterrand, si on posait la question dans la rue, bah, on aurait assez peu de bonnes réponses à mon avis. Chirac, c'était un peu plus facile puisque c'était sa fille. Sarkozy, on a vu petit à petit émerger Franck L'Ouvrier. Et là,
pour François Hollande, c'est extrêmement simple. On sait que c'est Gaspard Ganzer. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu partout, Gaspard. Et à partir du moment où vous prenez la lumière, c'est aussi une preuve finalement tangible du fait que nous sommes à la fin d'un cycle où la communication politique a pris le pas même sur l'action, et on va revenir, à mon avis, aux idées, et les communicants vont repartir dans l'ombre, ce qu'ils n'auraient finalement jamais dû quitter. Dans l'un de ses derniers entretiens, Michel Rocard déclare « Le problème de François Hollande, c'est d'être un enfant des médias. » Hollande, c'est le président qui se confie aux journalistes. C'est moderne, authentique. Mais sommes-nous vraiment prêts à rompre avec les codes traditionnels de la communication ? Du site de Belfort. On a découvert récemment, avec l'ensemble des livres qui sont sortis sur les conversations secrètes avec le président, que monsieur avait une heure de temps tous les vendredis à accorder à des journalistes. Moi, dans mon travail, j'ai pas une heure de temps à accorder chaque vendredi à des gens qui veulent me poser des questions sur mon travail. J'ai pas que ça à faire, je travaille. Donc on voit bien qu'en fait, les mecs sont pris dans cette espèce de tourbillon permanent qui fait que, au bout du compte, ce sont des amateurs. Ce sont des gens qui ne sont pas des professionnels. Quand on dit ils font des boulettes, ils n'ont pas réfléchi, ah mais en fait c'est vrai, les mecs sont en permanence sous la pression de l'opinion publique, des médias, des lobbies, des syndicats, et puis de ce folklore républicain qui fait que la pratique même du pouvoir n'est pas efficace. Il faut être efficace, on élit les mecs, ils n'ont qu'à travailler. Moi, si je suis président de la République, je ne passerai pas une heure tous les vendredis à dire « Non, mais je crois que Jean-Marc Ayrault est vraiment un peu léger sur ce coup-là. » Mec, bosse, on te demande ça, tu travailles. Parce que pendant ce temps-là, c'est Marine Le Pen qui est en train de monter. C'est une visite qui a été annoncée au dernier moment à la presse. François Hollande chez Lucette, une belle photo que le conseiller du président a vite tweetée parce qu'elle montre un François Hollande proche des gens. Mais derrière cette belle image, il y a une grosse mise en scène. Pris dans le folklore du pouvoir, les hommes politiques nourrissent le bruit médiatique et n'auraient plus le temps de penser ou d'agir. En s'attachant à leur communication, en y consacrant autant de temps, ne réduisent-ils pas de facto leur temps d'action politique ? Salia Braclia était l'un des visages féminins du Petit Journal. En 2015, BFM TV lui demande de poursuivre ce qu'elle a appris auprès de Yann Barthès, montrer l'envers du décor. Au prétexte qu'il est silencieux, parce que je veux être le porte-parole de la majorité silencieuse. Pour dire mon attachement à cette France oubliée et pourtant généreuse, cette France des oubliés, et j'irais même jusqu'à dire cette France des abandonnés. Ils sont bons, hein. J'ai écouté tous les discours depuis la rentrée, les discours politiques, et en fait tu remarques que ce soit Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen ou Arnaud Montebourg, il y a un élément de langage qui revient souvent, c'est « je veux être... le porte-voix de la France des oubliés ou de la majorité silencieuse. » Et c'est un truc qui revient souvent dans les discours des politiques et souvent pendant les périodes électorales. Du coup, je me suis dit, c'est important de décrypter ça. Pourquoi il parle de majorité silencieuse ? Pourquoi il parle de la France des oubliés ? C'est une sorte de concept qui englobe tout et n'importe quoi. Et donc, n'importe quel Français peut dire « moi aussi j'en fais partie ». Et donc, l'électeur qui écoute Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen ou Arnaud Montebourg peut se dire « il me parle à moi en fait ». C'est malin de la part des politiques de faire ça. Il y a un tel écart entre la population et la politique que les politiques eux-mêmes sont obligés de dire « je fais peut-être partie des élites, mais moi je vous écoute, je vous ai entendu et je vais faire porter vos idées au sommet de l'État ». C'est comme ça qu'ils peuvent rattraper les gens et les faire venir voter, au moins. Aujourd'hui, la priorité des hommes politiques est de renouer avec les Français. Sondage après sondage, les électeurs sont impitoyables envers le système politique, dont ils jugent les acteurs entièrement tournés vers leurs intérêts personnels. Pourtant, la communication politique n'a jamais atteint un tel niveau d'importance. Un paradoxe difficile à surmonter. Le rôle des communicants dans la période, pour ceux qui continuent à y croire, parce que je crois que c'est indissociable, finalement, c'est de donner l'illusion de puissance aux politiques.
et donner aux citoyens la sensation que ce politique ou cette politique sera en capacité de changer le cours des choses. Voilà. Et j'espère qu'ils y croiront sincèrement. Et c'est finalement une opinion que moi, j'ai plus. Donc, je n'ai pas de raison de m'engager, parce que ce serait pour le coup complètement malhonnête de ma part. Mais, et donc, je n'arriverai pas à le faire. Mais voilà, j'espère que d'autres arriveront à le faire et peut-être me redonneront foi par leur talent. Une des grandes missions des communicants politiques, c'est d'expliquer à un homme politique ou à une femme politique comment se faire élire sans mentir. Parce qu'en fait, ça confine à du mensonge. Que ce soit du mensonge par stupidité ou que ce soit du mensonge par pleine conscience, ça reste du mensonge. Redonner confiance en les idées, gommer la sensation d'entre-soi, se rapprocher des électeurs sans jouer, c'est le nouveau pari difficile des hommes politiques et des communicants. Dans ce contexte, les pratiques changent. Avant de perdre, Bruno Le Maire avait utilisé de nouveaux outils numériques pour se livrer à l'exercice le plus authentique qui soit, le dialogue en tête-à-tête. Bonjour à tous. On se retrouve pour la troisième session de questions-réponses Facebook. Comment être sûr, me demande Christian, que les belles promesses de campagne seront tenues, marre des politiques bonimenteurs et à la politique variable en fonction des sondages. Bon, ça, Christian, vous avez parfaitement raison. Vous remarquerez d'abord que moi, je tiens mes propositions. C'est les mêmes depuis des années. Je suis très content de voir que dans le projet adopté samedi dernier par les Républicains, il y a la diminution et la dégressivité des allocations chômage. Sauf que je l'avais proposé en 2011 et que le président de la République et le Premier ministre de l'époque m'avaient dit non. Donc un peu de cohérence, qu'ils n'ont pas le droit de produire. Preuve d'un besoin d'échange, les questions des électeurs arrivent par centaines. Certaines font sourire, d'autres sont écartées. Mais beaucoup sont soumises aux candidats qui y répondent à la chaîne. Je veux vous remercier tous d'avoir participé à cet exercice sur Facebook. On en fera un l'été prochain, donc cet été, parce que franchement, j'adore ça. Voilà. Donc à la prochaine, et très bon été et très bonnes vacances à tous. Ce face-à-face, cette immédiateté-là, est la plus pure en somme. Et elle se passe des médias. C'est la démocratie athénienne sur le net. Voilà. Mais c'est profondément la démocratie athénienne. Vous êtes... au milieu de l'agora, mais au lieu d'être sur une agora, vous êtes sur un Apple, voilà, sur un ordinateur portable. Mais c'est la même chose. C'est dématérialisé, mais c'est la même chose. Il manque le soleil grec, quand même. 1650 questions. En une heure. Vous en avez fait combien ? Oh, vous avez fait quoi, une quarantaine ? Bon, ben, t'es pas loin de l'objectif ? Ouais. Non, c'était bien. C'était plus court. Bien. Bruno Le Maire aura répondu à 40 questions en une heure. La communication politique se jette à corps perdu dans les nouveaux outils. Essentiellement tournés vers les plus jeunes, ces nouveaux médias n'ont pas encore atteint une véritable crédibilité. Pourquoi alors la communication utilise-t-elle à l'envi ces nouveaux canaux ? Toute nouvelle bataille politique, en fait, elle s'appuie sur la modernité des outils. Depuis 15 ans à peu près, chaque élection, c'est-à-dire tous les 5 ans, il y a un nouvel outil qui apparaît. Donc on a eu le web contributif avec Ségolène Royal et la Ségosphère. On a eu l'arrivée de Twitter qui est arrivée juste avant la campagne de 2012, au moment de l'affaire Strauss-Kahn, où tout d'un coup sur les plateaux télé, on s'est aperçu que les journalistes sur le plateau avaient via Twitter des informations de l'intérieur de la salle de jugement avant les envoyés spéciaux qui étaient à New York devant le palais de justice. Et donc là, on a eu un outil en temps réel qui était encore plus fort. Voilà, puis les réseaux sociaux, les Facebook, machin. Bon. Là, du coup, on doit repenser à chaque fois la façon de communiquer et d'organiser une campagne en fonction de l'outil qui arrive. Toujours les gens nous demandent, mais est-ce que vous pensez que l'élection va se faire sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ? Concrètement, on ne sait pas derrière combien de voix ça nous rapporte. On sait qu'il faut y être, on sait que les gens y sont, donc c'est un espace de débat. On ne sait pas si... je pense que ça ne fait pas autant bouger les choses qu'un meeting réel. Par contre, on peut, sur les réseaux sociaux, toucher les gens pour les amener justement en fait, à venir dans un meeting et derrière, voilà, après, convertir les gens comme ça. Mais ce n'est pas, pas avec un tweet qu'on va convaincre les gens, ça c'est sûr. La pratique du sans-filtre, si chère aux réseaux sociaux, cherche avant tout à rompre avec la mise en scène. Les hommes politiques s'y présentent comme Monsieur Tout-le-Monde,
pour se rapprocher du peuple. Nous, on a toujours été habitués à, en quelque sorte, à une sorte de manipulation de médias, sans rentrer dans les grands trucs, mais on sait très bien qu'un sujet télé, par exemple, qui est tourné, on sait comment ça va être cuté après, on sait ce qu'on va garder. Les gens ont toujours été habitués à ça, mais je pense qu'il y a un rapport aussi avec les politiques, où on leur montre des trucs qui sont... Voilà, les gens ont plus confiance, en fait. Et là, je sais pas, mais on est dans l'instant, on est dans le vrai. Il n'y a rien de travaillé et ça apporte une autre vision, en fait. Un cassage de code, entre guillemets. Par exemple, je ne fais jamais de photos posées. Si tu regardes toutes mes photos, il n'y en a pas une seule. Tu verras Bruno Le Maire face à un objectif ou posé avec des gens autour. Non, pour moi, justement, je suis toujours dans cet esprit d'instant. Et puis, aucun filtre. J'ai personne qui me dit non, cette photo, il fait son truc, je fais mon truc. On ne se marche pas dessus. Et c'est ce qui donne une vérité, une honnêteté, j'ai envie de dire, une honnêteté dans notre relation, dans notre travail, dans sa communication. Voilà. Aujourd'hui, le politique qui va réussir sa carrière, c'est le politique qui n'est pas marketé. C'est le politique qui est dans la vraie vie. Je pense à François Bayrou, je pense à Bruno Le Maire, Marisol Touraine, Jean-Vincent Placé. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont et dans la vraie vie, et dans la vie télévisuelle, la vie des médias, ce sont exactement les mêmes personnes. J'ai l'impression que M. Philippot, que j'ai vu 3-4 fois, il est dans la vraie vie comme il est sur les plateaux de télé. Et l'impression que j'ai eue, c'est qu'il n'y avait pas eu 10 000 spin doctors pour lui conseiller, pour savoir ce qu'il devait dire. Il sait les dire et il les dit bien, comme Marine Le Pen, même si ça peut énerver. C'est une bête de scène. Marine Le Pen est venue chez nous, elle a fait 38% de part de marché. Donc eux, j'ai l'impression qu'ils travaillent moins leur image. En tout cas, ils sont plus dans le vrai que les autres. Et c'est peut-être pour ça que ça marche. Même si se présenter plus vrai que nature est évidemment travaillé et calculé. Mais peu importe, c'est l'illusion qui compte. Un coup d'œil au blog de Marine Le Pen suffit pour comprendre sa stratégie de mise à nu. Ici, pas de trace de son parti. C'est la femme libre, la mère, la française qui s'adresse à ses militants. L'action de communication de Marine Le Pen, elle est double. Elle a saturé l'espace médiatique en 2015, en expliquant d'ailleurs qu'on ne l'invitait jamais sur les plateaux de radio et de télé. Ça, c'est une antienne de l'extrême droite. Son père faisait déjà la même chose. Et là, elle a décidé de se mettre en retrait dans l'année 2016, en retrait des médias nationaux. Mais elle va sur le terrain et elle va au contact de son électorat. Et on va voir petit à petit qu'elle va, de manière répétitive, monter en puissance quand elle l'aura décidé, à la fin de l'année 2016 ou en 2017, en capitalisant sur ce qu'elle a vécu et fait sur le terrain. Et elle resaturera l'espace médiatique à ce moment-là. Triste spectacle, suffit. Trop de temps perdu depuis des décennies. Alimentant l'image de journaliste à la botte du pouvoir, le FN se rue sur les chemins de traverse. Et Marine Le Pen est favorisée par un outil que son père n'a pas connu, Internet. La page Facebook du FN est l'une des plus suivies de la classe politique française. Les sympathisants de la vague bleue marine sont persuadés qu'ils n'ont rien à attendre des médias traditionnels, mais tout de même et de leur action sur la toile. Ils sont jeunes, réactifs, organisés. Ils infiltrent les médias en ligne de leurs commentaires. L'une des stratégies qui a été décrite donc, et qui se trouve un peu au cœur justement de la stratégie d'influence numérique du Front National, c'est celle qui est appelée donc une stratégie de réinformation. Le Front National a ses agences de presse, je pense à Novopresse. Le Front National a ses espaces dits, ses agrégateurs d'actualité biaisés, tronqués, et d'une certaine manière contribue de cette façon à diffuser un peu sa représentation du monde et à, en quelque sorte, biaiser la réalité, on peut dire. Évidemment, la répétition d'un phénomène, d'une impression, polarise le regard et finit par porter un message, en quelque sorte. This socialist / communist, okay, nobody wants to say it. Réécrire l'information,
Éviter le débat de fond par la transgression permanente, c'est un choix de communication qui peut être payant. On est en train de lâcher le monde d'avant, entre guillemets, c'est-à-dire celui de la deuxième moitié du XXe siècle, des masses médias, d'institutions encore puissantes, qui avaient en quelque sorte une forme de monopole, de monopole de la prise de parole, etc. Mais parce que la politique doit se réinventer, et parce que le numérique ouvre de nouvelles perspectives, je pense qu'il y a des motifs de se dire que, ben voilà, que tout n'est pas fichu. La politique et les politiques doivent changer, en réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment, pour moi, il fait aucun doute que des nouveaux modes de gouvernance vont devoir émerger pour que se refonde un peu et se transforme la relation entre les citoyens et les politiques. L'espace numérique n'est pas l'apanage de la fachosphère ou des politiques en mal d'exposition. Il donne aussi des ailes à ceux qui rêvent d'une démocratie plus directe, loin de l'incarnation monarchique du pouvoir. Si vous aussi vous en avez marre d'aller voter tous les 5 ans en traînant des pieds, de choisir le moins pire, de voter utile. Mais pour l'instant, ces initiatives participatives butent sur les institutions de la Ve République. Et dans les faits, depuis De Gaulle, les Français n'en finissent pas de chercher l'homme providentiel. Ils ne louperaient pour rien au monde leur tête-à-tête quinquennale avec leur futur chef. Parce que la France, ça n'est pas un château de cartes. Elle nous tient ensemble depuis tant et tant de siècles et continue de nous tenir avec force. C'est cela, notre pays. Dans la course à la présidentielle, la campagne d'Emmanuel Macron semble vouloir combiner le pouvoir personnalisé de la Ve République et le rêve d'un nouveau projet participatif. Jamais. Soutenu par le numérique, il multiplie aussi les actions sur le terrain. Mais combien de temps pourra durer ce positionnement hybride ? Emmanuel Macron transgresse les règles, transgresse les méthodes en lançant son propre parti avec des outils médiatiques. Et puis petit à petit, il va devoir rentrer dans le rang, conseillé en cela par ses communicants, parce qu'il voudra, il devra coller au maximum à l'opinion publique. Transgresser pour émerger, et puis ensuite, finalement, le discours devient un peu de l'eau tiède. Et ça, c'est notre faute à nous, communicants politiques, qui avons mis au format médiatique et tenté de plaire au maximum à l'opinion publique. Et les formes de la communication ne cessent d'évoluer, les formes de la démocratie aussi. L'histoire et la politique, ça n'est pas rectiligne, c'est cyclique. Donc, je ne suis pas désespéré, je suis agacé, mais je ne suis pas désespéré du tout. Si les partis politiques et les médias semblent prêts à se pencher sur le climat qu'ils ont construit, les Français, eux, sont-ils prêts à voter pour des hommes tels qu'ils sont et non tels qu'ils essaient de se vendre ? Sont-ils prêts à renouer avec les idées, sans vernis ni polissage ? Là, je crois qu'on est arrivé au bout d'un cycle et où il faudra bien qu'on essaie de vaincre un certain nombre d'incultures, les incultes qui ne jurent que par les sciences et les techniques, les incultes qui ne jurent que par les modes, qui par définition se succèdent les unes aux autres et n'ont qu'un temps. C'est un retour des humanités qu'il nous faut. C'est un retour de l'histoire, c'est un retour de la littérature, c'est un retour de la philosophie, c'est un retour des arts. Le grand soir avec, comme toujours, l'actu de la semaine. Pour cela, il faudra sans doute appuyer collectivement sur le frein. Pour tous, politiques, communicants, médias, ce sera aussi lâcher la proie pour l'ombre, abandonner le buzz pour nourrir la réflexion et sauver notre culture démocratique. La thématique du terrorisme, il a terminé par une... Je crois que l'homme politique, aujourd'hui, doit avoir ce rapport de distance avec son communicant et que le communicant lui-même doit savoir quand intervenir et quand ne pas intervenir. Par exemple, il doit pouvoir ne pas intervenir quand son poulain se lâche et devient lui-même
Il doit pouvoir révéler à l'individu ce qu'il est et non pas lui imposer des slogans ou des baselines comme dans les années 80 avec un vulgaire produit publicitaire. Et je crois que une campagne présidentielle qui se passerait de communicants serait sans doute inintéressante et je pense qu'elle serait inefficace du point de vue des candidats. Mais je crois vraiment que le communicant aujourd'hui doit lui-même changer sa manière d'être. Ma conception de la communication par rapport aux instituts de sondage, par rapport à l'opinion publique et vis-à-vis des élus que nous accompagnons, c'est qu'il faut être devant et tirer. Montrer le cap, montrer la vision, montrer le projet. S'il n'y a pas d'idée, s'il n'y a pas de projet, on n'y va pas. Je préfère dire non. Je préfère me fâcher avec quelqu'un. Je l'ai fait récemment. Parce que c'était que de l'image, que de l'apparence. Je préfère dire non. Mais combien de communicants acceptent de dire non au vide au profit des idées? Et combien de politiques sont-ils prêts à accepter une communication uniquement axée sur le fond? C'est tout l'enjeu de la nouvelle ère de la communication politique.